Ok, donc échanger de micro. J'ai. Ça devrait être beaucoup mieux. Mais non, je le ferai. Allez, je le ferai. En plus, oui, je suis passé sur un micro-casque. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est un Triton AX Pro. Ce qui fait que je suis maintenant en 5.1. Casque très environnant. Ce qui fait que je vais flipper ma race. Putain de sa mère. Bon, par contre, c'est un passage que vous avez déjà vu, normalement. Hein. Si vous l'avez pas vu, regardez l'autre vidéo. Alors, je sais pas si vous avez. Si vous allez voir ça, tiens, ça va être intéressant ça. J'ai reçu une demande de. D'ajout de. Comment on dit déjà? De nom. Alors. Ouais. Alors, oui. Avant toute chose, comment on court? Oh! D'accord, avec le pavé tactile, on peut ouvrir ça. C'est un peu fort pour moi dans mes oreilles. Je vais baisser un petit coup. Ça sert à rien. Non. D'accord, on court en sprint avec L1. D'accord. Boum. Alors, ouais, je vais grave baisser le son dans mes oreilles. Parce que sinon, je vais me pisser dessus. J'aime pas me mettre de l'urine sur moi-même. Ah putain. Donc en fait, ça fait déjà quelques jours pour moi. La dernière fois que j'ai enregistré la vidéo. J'ai déjà un peu oublié ce que. Je sais que je dois ouvrir des générateurs, mais je ne sais plus où ils sont ni rien. Et je flippe déjà énormément. Il est où ce con? Il peut pas être derrière moi, ça c'est sûr. J'espère que je vais être compréhensible cette fois-ci. Voilà, claque la porte comme t'en as l'habitude. Oh, j'ai oublié de prendre la pile. Il y a une pile qui brille là-bas. Tu viens? Tu viens ou tu viens pas? Oh putain. J'ai vu son bras à travers la porte. C'est complètement buggé. Parce qu'en plus d'avoir un son plus fort et donc de tout simplement m'entendre. Le. Pardon. Le fait d'avoir changé de micro-casque va tout simplement faire que je vais être compréhensible. En fait. La pile. Comment on change déjà? Comme ça. Vite, 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 merci. Par pitié, faites qu'il ne revienne pas ici. Pourquoi je joue à ce jeu, moi? Pourquoi je m'afflige ça? Il est là. Il est là. Il est là. Cette porte est tout à fait ouverte. C'est pas de là que je viens. Aucune idée. Transpire comme un porc. Attends, il fait une chaleur à crever ici. Il en sort pas, hein? Si.
Il revient? Non. Oui, non, peut-être. Il revient. Il m'a complètement vu, d'accord. Bien. Maintenant, tu ne peux plus en contre moi, je sais comment courir. Ah, par contre, j'arrive pas à passer les portes. Ce qui n'est pas malin. Tu pourrais te dégager, s'il te plaît, du passage? Ah, non, non. Oh, putain. Quoi? Qu'est-ce que putain de quoi? J'arrivais pas à sortir par la porte. Bon. Je vois rien. Non. Merde. Ah, j'arrive plus à activer le... l'infrarouge, les enfants. C'est bon. Le truc, c'est que je sais pas par où il débarque. Je sais pas s'il est déjà dans cette salle ou pas. Ou s'il débarque derrière moi. Cette main m'a fait peur. Pourtant, cette main m'appartient. J'ai cru voir un truc bouger là-bas. Alors, c'est fou, pourtant, ce jeu, je le connais, quoi. Enfin, je le connais. Je l'ai vu 3 fois en entier sur YouTube. The playthrough. Si vous préférez. J'ai vu PewDiePie et Diablo X9. Je l'ai pas vu jouer en entier, je crois, c'est Diablo X9, parce que bon, forcément, j'avais déjà vu le playthrough entier de PewDiePie, donc... Enfin bref, quand même, je veux dire que je le connais un peu bien, ce jeu. Y a pas des piles dans cette pièce? Ok, je vois rien. Par contre, oui, j'ai vu son bras. Alors, on va essayer d'économiser de la batterie. Il est là. Il va checker le casier d'à côté. Just another ghost. Comme tu dis. Donc là, il va checker la pièce d'à côté, n'est-ce pas? Attends, t'as défoncé quelle porte, là? Putain, faut que je change de pile. Ok, nickel. Oh putain, d'accord. Ok, donc il m'a vu, donc il n'y a pas de... Ouais. Je préfère quand il me voit comme ça, en fait, là, ça me fait vachement moins peur. C'est où la sortie? Pardon. Excusez-moi, monsieur. Voilà, je cours de terreur et d'effroi. Je vais me cacher là-dedans. Est-ce qu'il m'a vu? Faut croire que non. Marco. Je m'appelle Marco. Non. En même temps, je vais pas écrire mon nom partout. Bref. Je suis parti au ciel, tout à fait. C'est exactement ce que j'ai fait.
J'entends des bruits de pas en fait, c'est. Comment on peut apprécier de jouer à ce genre de jeu? Quelqu'un m'explique? Je sais pas si ça fait juste très très peur, ce qui n'est pas une chose agréable. Et dans ce cas-là, la question pourquoi je joue à ce jeu se pose. Moi, c'est uniquement. Ben. Bonne question en fait. Il est où? Il est retourné dans le. Alors là, c'est un quoi jumpscare? Non. Y'a quoi par là? Il est derrière moi. Oh putain, le salaud! J'ai plus de piles. Je ne vois absolument rien, je fais des mouvements erratiques. Ça marche. Écoutez. Je vais retourner me planquer exactement au même endroit. En espérant que ça fonctionne. Ça marche bien, je crois. L'IA de ce jeu est très gentil. Il va toujours vérifier l'autre casier. Merci beaucoup, IA. Bien. Ok, parfait. Peu de chance qu'il fasse demi-tour. Je l'ai vu partir là-bas. C'est-à-dire que par là, c'est safe. Enfin, c'est safe. Là-dedans, il y a un monsieur mort, mais il y a une pile. Débarque où là? Je suis actuellement mort s'il vient vers moi. Parce que je n'ai aucun endroit pour me planquer. Et il fait demi-tour. Oh joie, bonheurs et allégresses. Voilà, claque la porte de manière très silencieuse. Ah putain. Il n'y a plus de batterie. Ça peut faire très très peur là ce qui va arriver. Bah, pas eu peur. Y'a quoi là-dedans, je peux ouvrir? Ouais. Non. Malhabile. Bon, s'il débarque devant moi, je suis dans la merde, hein. Autant de s'il débarque derrière, je décéderai juste de peur.
Ça n'a strictement rien changé du tout, on est bien d'accord. Par contre, est-ce qu'il va venir? Toute la question est là. J'essaie de capter des des petits bruits de pas. Oh putain. Ok, ouais, si, bien. Nickel. On va changer les piles. Est-ce qu'on voit sans... Non. J'essaie un petit peu d'économiser de la batterie quand même. Voilà, tu es bien urbain. Tu vas vérifier le casier d'à côté. Exactement, just another ghost. J'aimerais bien le voir. Bon, le fait est qu'il n'y a qu'un seul chemin. Non, ça c'est un cadavre. Il pourrait complètement être là-dedans en fait. Sauf qu'il n'y est pas. Il est caché par ici, il repassera par là. Ah, je le vois. Il est là. Je suis complètement visible normalement. Mettre un endroit un peu planqué. Changement de pile. Encore. Oh putain, tout à fait. Mais bien sûr. On passe donc à quelques centimètres de moi. Ce sera très agréable. J'attends que je sais où il est. Je sais où tu es. Je suis pas dans un asile de fou pour rien. Je peux faire un tout droit? Non. On ne peut pas. Et je ne suis pas encore venu ici vu qu'il y a encore les piles sur le tonneau. Eh. Malin.
Allez. Et on se planque, direct. Ce qui va venir, c'est sûr. Il est un peu con quand même d'ailleurs. C'est un peu évident que je suis dans cette pièce. Il n'y a pas 5000 endroits où se planquer dedans. Le gros minet. Le mec il s'est pris pour Titi, normal. Bien, 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 donc pile salvatrice parce que il m'en reste plus qu'une. Hein. Je suis en train de tomber sur ma dernière. L'air de rien. Bien, j'ai donc activé deux générateurs et le disjoncteur. Je suppose donc que je dois aller ici en plein milieu. Est-ce qu'il est là-dedans? Il est passé où? Il est passé où ce salaud? J'avance de zone de planque à zone de planque. C'est une échelle, ça, scientifique. Planck, l'échelle de Planck. Oh, il y a moyen. Donc encore une fois, évidemment, je n'ai absolument aucune idée de ce que je dois faire désormais. Ce qui, vous en conviendrez, est extrêmement pratique. Dans ma situation. Ouais. J'aime gagner un trophée. Alors oui, j'ai entendu un son qui fait peur. Je sais pas du tout ce que ça signifie, mais... Là, 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 là. Normalement je suis safe. Le jeu d'eau m'a fait très peur. On va fermer ça, on va couper ça. Bien. Je suis content. J'ai enfin fini ce passage à la con. Non. Comme ça. Il y a un mec là-bas, on est d'accord. Alors je pense que ce personnage est buggé. Il devrait être assis sur ce fauteuil. C'est très drôle. Ha ha ha. Regagner le local de la sécurité. C'est pas ça. Ah oui, il est là-dedans. Dans ce couloir, j'entends. Je crois. Oui, il est là. Oui, ça c'est qu'un cadavre.
Blarg. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't leave. Not yet. There is so much yet for you to witness. Espèce de salaud. Will you see it? Can you? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Oh. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Non, merci. Écoutez, c'est une proposition très intéressante, mais bon. Je vais malheureusement devoir décliner votre offre. Je suis dans une cellule capitonnée, oui. Ah. Alors, des croix dans des croix. Rappelez-vous que les notes ne sont ajoutées à votre carnet que lorsque votre caméscope est levé en position de tournage. C'est-à-dire comme ceci. C'est pas le même point de vue. Il est vachement plus large. Intéressant. Des croix, des croix, des croix. Rest in peace. He did not kill his enemies. Il n'a pas tué ses ennemis. Écoutez, d'accord. Repose en paix. Oh, bonjour monsieur. Oh, c'est gentil. Mais calmez-vous, voyons, monsieur. Ah, je voulais aller le calmer, mais bon. C'est une très mauvaise idée ce que je viens de faire. Donc lui, il a pas l'air content. Il va faire mal. Et lui, il a l'air d'être en pleine forme. Joli bras. Oh, vous êtes beau. Ça va? Ah. Écoutez, monsieur. Ah, je pense que ça vaut mieux comme ça. C'est moi. Oh. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be impolite. Not here. We give him a running start. There's an idea. And when we kill him, we kill him. Monsieur, êtes-vous au courant que vous êtes complètement nu? I want his tongue and liver. They are yours. Hmm. Ils m'ont pas l'air d'être si fous que ça. Il y a quelque chose au fond, juste. Dieu fournit toujours un moyen de suivre le sang. Eh bien, écoutez, si c'est pas beau.